Verset 7 à 9.
Nombre chapitre 18, verset, à partir du verset 7, la Bible dit: Mais toi, Aaron, et tes descendants, vous accomplirez votre ministère des prêtres à l'autel et dans le lieu très saint derrière les rideaux de séparation. C'est moi qui vous fais don de ces ministères. Si quelqu'un d'autre s'approche de moi, il devra être mis à mort. Verset 8. Le Seigneur dit à Aaron, écoute, je te confie la responsabilité de toutes les offrandes saintes que les Israélites me consacrent. Je te les donne, c'est la part qui t'est réservée et qui sera ensuite réservée pour toujours à tes descendants. Voici ce qui vous revient des offrandes très saintes, après qu'on aura brûlé la part qui m'est destinée. Tout ce que les Israélites me présentent comme offrande végétale, sacrifice pour obtenir le pardon et sacrifice de réparation, ces parts très saintes vous reviendront à toi et à tes descendants. Amen. 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 Maintenant, on a l'ingala. Mais yo aron pe na bakitani na yo. Beaucoup kokisa loto moko ezali a banganganzambe a on a itumbe pe na esika ko ezali a bosanto sima ya rido ko ezali a bukabwani. Na pesi bino, na sali bino ko ezali don ya loto. Ce qui m'ont demandé pour ça, il peut n'en aille à faire la poufa. Paul a nous dit à Aaron, il y a eu la pression, mon kumba et à la maca, pour nous, il y a tout ça pour les Israélites, pour les Israélites, pour les Israélites. La pression à nous, il y a eu la part où ils allaient à ils allaient et vous dites à nous, pour la libéra, la libéra, la bakita, la libéra. Oyo, ils allaient aux hommes les païnaïo, ou ils allaient par Macabre, ou à vos santos, c'est marqué, ou ils allaient par Soumbi, ils allaient par où ils allaient par vous, c'est Minaï. Oyo, Dieu se trouve, par Israélite, par comment ils allaient au là, du Capo, ou ils allaient à Piloko, il y a Biblé, il y a Bilé, il y a un sacrifice pour la besoin, pardon, mais il y a un sacrifice, il y a pour réparer. Babité l'union se tourne à vos santos et kozonga et paye na vino. Na lio pe na bakita ni na lio. Amen. 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 Voilà mes bien-aimés. Et vous verrez dans une autre tradition, quelque part on dit, et c'est ça le thème de mon message d'aujourd'hui, et paye en vie, je te les donne et à toi et à tes descendants. Attendez, là où j'ai lu, à tes descendants, voici ce qui revient. Et là, dans une autre traduction, dit, je te donne celles qui me sont offertes par élévation, je te les donne à toi et tes descendants, comme droit d'onction, par une loi perpétuelle. Amen. Une loi d'onction. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Pardon, chapitre 2, verset 15. Un des versets, de mes versets préférés, parce que c'est un verset qui est devenu réalité dans ma vie. 2 Timothée chapitre 2, verset 2, 15, la Bible dit, Efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à avoir honte de son travail, qui annonce correctement le message de la vérité. Ma motomoko oyo andimami na lokumu na miso na nzambe ozala mosali oyo azali koyoka soni te mpona mosala na ye me azali koyeba kosakola ndenge esengeli malamu oyo ezali lisakoli ya bosolo. Amen. Amen. Le dernier verset qui n'est pas dans le registre, c'est ce que j'avais promis la fois passée et que chacun de vous est appelé à méditer pour que cela devienne réalité dans sa vie. C'est-à-dire, quand j'ai dit méditer, c'est-à-dire tu as ouvert ta Bible,
Tu as lu ces passages bibliques, ces versets, même un seul verset de la Bible, et tu as réfléchi sur cela, et tu l'as enraciné, c'est-à-dire en faisant passer ce passage noir sur blanc sur la Bible, et tu les ramènes dans ton cœur, enraciné, et ça reste là, et tu lances un défi à Dieu pour dire, rends-moi la vie selon ta parole. Verset 17. Et aujourd'hui, j'ai amené ma Bible dans cette belle tradition que j'aime. Et j'aime beaucoup cette Bible parce que ça me rend certains versets d'une manière correcte et compréhensible. C'est la Bible Ancien et Nouveau Testament, traduite en hébreu et en grec, c'est en français courant. Donc, mon cas en français courant, à vous, Mouenango, Alliance publique universelle 1994, chapitre 3, verset 17. Moi, la Bible, tu as réinventé ce qu'il faut, au Lucas, ce qui est au Manuel, la Bible dit. Mais, verset où il y a, et ça, là, naïve, à Dieu, Manuel, et à vous. Ndenge to baka rema vérité à Yoba Nzambe et tikalaka vérité à Yoba Nzambe mais comme en réalité na vie na yo c'est à dire au banda ko tatola ko kolonyo so pour être o et pour mani bongo pour mon amour pour être comme en réalité na vie na yo. Écoutez ce que la Bible dit dans Sophonie 3, 17, dans cette traduction du français courant. Il est fort et t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il pousse des cris de joie à ton sujet. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur si on comprend que Dieu pousse des cris de joie à ton sujet? Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu de Dieu amour. Que Dieu soit magnifié. Chacun nous les uns les autres dans l'amour du Seigneur. Voilà. Vous savez que notre Église avait dit ce qui les hommes les plus, les hommes et les femmes les plus spirituels sont ceux qui prennent le temps à méditer la parole de Dieu. Amen. Les hommes et les femmes les plus spirituels, ce sont ceux qui consacrent du temps à la méditation de la parole de Dieu. Amen. Donc, le nom dit que ce que je dis, c'est que je suis quand même pour ça que l'église, les jours du Seigneur, et je dis verset je suis en train de dire très bien. Il y a Sophonie chapitre 3, verset 17. Je ne sais pas si la Bible, ça c'est le logos, mais comme ça aussi, vraiment, donc, au personnaliser l'amour. Pourquoi on va lire la Sophonie, le Seigneur mon Dieu est avec moi. Il est fort et m'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de moi. Son amour me donne une vie nouvelle. Et il pousse des cris de joie à mon sujet. Je vais te l'entendre, ma pauvre côté. Pour la vie, à l'eau, je tremble. À l'eau, pousser ma cri de joie. Il est comme un homme, vous voyez, comme un homme, vous voyez, comme un homme, pour que l'idée de l'homme, comme moi, réalité la vie à l'eau. Il faut personnaliser. Les versets bibliques, pour que cela devienne un rêve pour vous, la vérité devient réalité dans votre vie. Amen. Chaque fois que vous prenez ce tour de l'eau, le Seigneur mon Dieu est avec moi. Parce que nous sommes tous les gens qui sont dans la boue, nous sommes tous les gens qui mais nous sommes tous les gens qui sont dans la le Seigneur mon Dieu est avec moi. Nous prenons ce tour de l'eau, à la canangaï. Donc le bâtiment, le baba, il va le bagnon sur elle, que le Seigneur mon Dieu est avec moi. Amen. Pour le temple à Zali Nayo. Parce que tout le monde a dit maïoté. Oh Abou Akalo. Oh Sila. Oh Saté. Les côtés tiens, soit Bible. Soit passage à Bible, le bala et le Seigneur mon Dieu est avec moi. Et le Seigneur Dieu est fort. Amen. Attends ma casse, il n'y a pas l'équipe qui tape dans ma casse. Alors, ce sont les qui m'ont donné ce que ma casse, même dans ma mort, quand nous sommes sacrés, ça pour qu'ils ne m'oublient pas. Le Seigneur ton Dieu est fort. Et il dit, il t'assure la victoire. Nous, vous n'allez jamais la défaite, nous voyons comme ça, la défaite, tu dois vivre dans la victoire. Maintenant, nous avons dit, ton Dieu est avec toi, il t'assure la victoire. Nous voulons tous ceux qui ont la mort, nous sommes tombés dans le corps.
sauté, on t'a dévié la tenue de tout parce que Dieu, la parole de Dieu, la vérité, que Dieu soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur, le Seigneur ton Dieu est avec toi. Il t'assure la victoire. Amen. Amen. Il est rayon à Zongenga. Amen. Des bonheurs à cause de toi. Amen. Amen. Zamba Zongenga, la bonheur. Zamba Tona le Seigneur. Vous connaissez tout le temps au Lamouki. A Tona le Seigneur. Ponatina. Amen. Mais Yoa, Mawa, Mawa. Bah, Mawa, va passer à Mouki. Alors que Dieu est rayon de bonheur à cause de toi. Amen. Amen. Pour la tine à la longue. Mais dans le vide, il rayonne des bonheurs à cause de toi. Amen. Amen. À cause de toi. Son amour. Oh, l'immoral d'Ambé. Oh, Balingara Souté. Oh, Batimité Mamadé. Oh, Batimalingara Té. Balingayoté. Mais l'amour de Dieu. Son amour te donne une vie nouvelle. Bon, l'immoral d'Ambé, nous connaissons l'amour qui est en place de vie à Sika. Nakamboua Sika. Amen. Même un seul verset de la Bible. Regarde, verset mon cœur pour changer pour la vie. Au moment où tu as pour la langue, tu m'as mis en cours la rue. Au moment où tu es emballé, mais pas abattu. On ne peut plus changer le courage à verser mon cœur. Amen. Son amour te donne une vie nouvelle. Bon, l'ingon en zambi. Bon, l'ingon battu, c'est pour battu. Le loi pour l'ingon le bien l'ignoté. Mais bon, l'ingon y a, il y a en zambi. Et son peso de moya, il y a sika. Mukona mukolo moya sika makambwa sika renouvellement makambwa sika non pas makambwa kala makambwa sika paix malamu. Amen. Mais bande ko esuki na nini Dieu pousse des cris de joie à ton sujet. Nzamba zo ganga ganga ka pona tina na yo et ça ka tende yo zo ganga ba tiba zo ka yo ganga la pona tsaye ba kenzambe oyego sambe la nzambe kana ma tsi na ba.
Thank you.
Je
Jésus. On m'a dit, RSK, la Sina Bouakango, la Tikamo, la Tikamo, la Tikamo. Mose, la Mayokanga Soki, Bamo, Badukaki, Eza, Nga, Naebaki, Tina. Naebaki, Tina, Po, Badukayo, Nalobaka, Oza, modèle, Damboka, Po, Nalobi, Oza, modèle, Capita, Oyokanga, Natonga, Lelo. Natia, Eloko, Moko, Katina, Yo, Oeza, Nabasen, Nanza, Bébé, Natia eloko moko kati na yo oyesa na basali ebeleke. Yango na lobaka na bino vema bo sepela. Natia moto moko motu ya liboso na bino. Natia mome bino koyeba kate. Me na lobi na bino na tongwa lelo. Bo sezir li pambo li boyo. Na pambo li bino vema. Na pambo li bino. Na pambo li bino na bino. Na pambo li na pambo li na pambo li. Vema na fungo li na fungo li na fungo li. Soki nga na fungo li nanya okanga. Soki nga kuzame na kali nani oyo akofongola me toma lelo vema bo pambola bosimbi motema nanga bosimbi motema nanga ayebaka bino batakoloba bosembi nanga lobisaka bango lobisaka bango yango ndeko erie yango ndeko ee yango ndeko vema nalobi na koa lelo bo pambola bakokele liboso bozala peni bozala peni nalobi bozala peni vema vema Thank you.
ce que nous disons, c'est ce qui s'accomplit. Ce que là, l'Éternel, mon Dieu, est avec moi. Il est fort et me donne la victoire. Il est rayon de bonheur à cause de moi. Son amour me donne une vie nouvelle. Régnez encore dans la vie parmi ceux Jésus-Christ, loin de Dieu le Messie, que l'onction de Dieu repose sur vous et que cette onction brise tous les liens sataniques, ôte tous les fardeaux et que cette onction puisse vous faire épanouir dans tous les aspects de votre vie, sur le plan spirituel, physique, matériel, financier, relationnel, au nom de Jésus. Et toute l'assemblée dit à Dieu, Amen. Amen. Thank you.